ministre Dr Shoghel Kogalamaïga a reçu hier en audience une délégation d'investisseurs iraniens. Cette délégation au Mali, pour recenser les secteurs dans lesquels ils peuvent intervenir, était conduite par le PDG du groupe Shirin Asalm. À l'issue de l'entretien qui était élargi à quelques membres du gouvernement, les visiteurs ont été rassurés par le chef du gouvernement. Pour plus de précisions, écoutons Younes Djali, groupe PDG bien sûr du groupe Shirin Asalm, à sa sortie d'audience. Dans le cadre de beaucoup de projets structurants, et nous avons échangé avec le monsieur le Premier ministre sur le projet de transformation des produits maliens et de beaucoup d'autres sujets aussi. Assurer les besoins de l'Iran dans le domaine de tout ce qu'on achète à partir d'autres pays. Nous voulons acquérir ces mêmes choses au Mali. Donc cela peut être une opportunité pour exporter la viande malienne en Iran. Exporter aussi beaucoup d'autres productions comme les riz, les maïs et puis transformer sur place la mangue malienne. Accueillir favorablement ces différents projets et il nous a assuré du soutien total du gouvernement malien à travers les différents ministères liés à ces différents projets.